puissante. Seigneur, notre Dieu, alléluia. La main de l'Éternel qui est sur nous, ta bonne main, Seigneur. Le Dieu qui dirige et qui conduit nos pas. Et louange et gloire à toi, Emmanuel, notre victoire. Alléluia. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour proclamer la victoire, proclamer que Jésus-Christ est ressuscité, le roi qui agit, notre victoire, tu es notre bannière. Jésus, nous comptons sur toi. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous te proclamons roi, le Dieu fidèle et puissant. Papa, merci, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui marche avec nous, le roi qui ondule nos têtes et ne coupe pas de bordes. Tu es notre victoire, tu es notre créateur. Jésus-Christ, alléluia. Tu es le Dieu qui nous a, tu as renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Seigneur notre Dieu, tu nous comptes parmi les vivants. Jésus, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, mon Créateur. Alléluia. Seigneur, que tout soit pour la gloire de ton nom. Jésus, toi qui marches avec nous, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Toi, le ressuscité troisième jour. Que tout soit pour ta gloire, notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur des gloires, c'est toi. Le Créateur de toutes choses, c'est toi. Tu as créé des choses visibles et invisibles. Oh, ce matin, nous te sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ce matin, mon âme t'élève. Ce matin, mon Seigneur, mon roi, mon âme t'exalte, Seigneur, car tu y es. Tes bontés pour nous se renouvellent encore ce matin. Seigneur, mon roi, tes bontés qui ne sont pas épuisées se renouvellent pour tes élus, tes enfants, tes fidèles. Seigneur, notre roi, nous sommes là, Seigneur, comme une biche soupire après l'eau. Nous sommes là, mon roi, mon Seigneur, et nous saluons ta sainte présence. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, pour tomber à tes pieds, proclamer que notre justice est vivante, notre Seigneur ressuscité, Seigneur notre roi. Nous sommes là, Seigneur notre roi, pour déposer, alléluia, tout ce qui ne te glorifie pas, tes pieds, alléluia, et pour nous habiller le manteau de la victoire, pour marcher avec toi de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia, tu es Emmanuel, tu es parmi nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es le roi qui agit avec nous, tu es agi, tu es celui qui agit au-delà, tu es celui qui marche avec nous, Seigneur notre roi. Alléluia. Parce que tu es tout pour nous. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Tu es celui qui connaît nos vies, tu connais nos besoins. Non, Seigneur, notre roi, tu connais nos luttes et nos combats. Alléluia, alléluia. Toi, le dernier des armées, et tu marches avec nous. Tu combats pour nous, Seigneur, notre roi. Jésus, ton peuple t'élève, mon Dieu, mon roi. Ton peuple t'adore, Seigneur, notre roi, parce que tu es adoré par le songe, par le chemin. Seigneur, ce matin, les oiseaux chantent. Tes glorifies, mon Seigneur, mon roi. Alléluia. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour nous joindre aux joies des anges, pour proclamer que Jésus-Christ est vainqueur, Jésus-Christ est le roi, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est le tout-puissant, il est le grand vainqueur, il est celui qui est assis sur le trône et le bout de sa robe remplit le temple. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur mon roi, toi qui es assis sur le trône, tu es magnifique, toi le roi puissant. Devant toi, il y a les anges, les chérubins, il y a les vieillards qui se prosternent, qui jettent leur couronne pour se prosterner devant ta majesté. Notre justice est grand, puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Nous venons de fêter une grande fête de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, notre roi, nous proclamons que ton tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Tu es vivant pour l'éternité. Tu es vivant, Seigneur. Tu es avec nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia, ce matin, Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la vie Zoé, la vie que tu nous as amenée. Tu as vaincu la mort, Seigneur notre roi, notre grand ennemi. C'est la mort que tu as vaincu à la croix. Tu as dit à la mort, où est ta puissance? Où est ton orgueil? La mort a été vaincue. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons chanter alléluia. Alléluia. Car Christ, Seigneur, a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde et l'esprit du monde. Alléluia. Que ton peuple chante alléluia ce matin, car notre Dieu est vivant, tu es vivant, tu as écrasé la tête des serpents. Seigneur, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la victoire, alléluia, alléluia. Le combat est à toi, la victoire est pour nous. Oh, alléluia, tu es compatissant,
riche en bonté à la colère. Seigneur, notre roi, laisse que le sang qui a été versé sur la croix coule encore sur ton peuple ce matin. Que le sang parle pour nous, que le sang nous libère, Seigneur notre roi. Alléluia. Que le sang de la nouvelle alliance coule. Oh, alléluia. Que ton sang, Seigneur notre roi, alléluia. Seigneur notre roi qui parle, coule encore, alléluia. Par le sang de Jésus-Christ ce matin, proclamons la victoire, proclamons la délivrance sur le péché, sur la mort. Oh, le sang de Jésus-Christ, alléluia. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous justifie, le sang de rachat. Christ nous a rachetés. Alléluia. Christ a pris ma place, a pris ton plat, ta place à la croix. Alléluia. Il a combattu, il nous a donné la victoire. Si nous célébrons cette victoire ce matin, nous proclamons que Jésus-Christ est vainqueur. Il est le roi, il est Seigneur, il vit avec nous, il marche avec nous, il est pour nous, qui sera contre nous. Alléluia. Règne encore, Seigneur, dans cette journée de victoire. Règne encore, Seigneur, dans ce mois d'avril que tu nous donnes. Règne encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, car tu es celui qui marche avec nous. Pas à pas, Seigneur, la main dans la main, Seigneur, tu es avec nous, alléluia, tu es pour nous, Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous, mon roi, mon maître, alléluia, avec toi, Shiloh, la victoire est assurée, le maître de la vie, Seigneur, ce matin, nous proclamons la vie, Zoé, la vie, dans cette semaine que nous commençons, proclamons la vie, dans ce nouveau mois d'avril, nous commençons, nous proclamons la vie, proclamons que Jésus-Christ est vainqueur, tu es le vainqueur, et que tous les pièges de l'ennemi soient détruits, que tout puissant des ténèbres soit paralysé. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que tu es le roi. Règne encore, Seigneur. Règne encore, Seigneur. Règne encore, Papa. Règne dans nos vies. Règne dans nos maisons. Règne dans nos vies, dans nos églises. Règne. Règne notre justice. Père, nous te disons merci d'avoir ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, le racheter. Amen, alléluia. Amen, shalom, shalom partout où vous êtes. Shalom, shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accordent favorablement. Que la grâce et la faveur de Dieu coulent sur nous ce matin, dans cette journée et dans ce nouveau mois d'avril. Que le Seigneur nous accorde, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus-Christ est pour nous. Qui sera contre nous? Nous proclamons la victoire là où tu es. Proclame la victoire. Proclame la victoire, proclame la victoire. Alléluia. Jésus-Christ nous donne la victoire. Vous savez, quand tu sais que moi ici, j'ai quelque chose. Quand tu sais que moi ici, je suis vraiment reçu la libération totale, tu marches la tête haute. La tête haute. Mais bien aimé, marchons la tête haute. Alléluia. Je vous salue, vous tous qui êtes partout où vous êtes, que ce soit en Afrique. Et ici, que ce soit ici, pardon, dans notre quartier général, que ce soit en Belgique, shalom, shalom, que ce soit aux États-Unis, au Canada, shalom, que le Seigneur nous fasse du bien dans le style à mes amis de Côte d'Ivoire, shalom, 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 partout où vous êtes, shalom, bien-aimés, shalom, mes amis de l'Est qui nous suivent, shalom, le Seigneur est là, il est vivant, il est ressuscité, proclamons la victoire. Shalom à tous mes enfants, à la convention, j'ai rencontré mes bien-aimés qui m'ont encouragé, qui ont fortifié. Je vous fortifie aussi ce matin, le Seigneur vous bénisse. Ma fille, shalom, continue à changer avec les petits témoins de mon mari. Continue à avancer, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Tu te connais, que Dieu te bénisse, alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes là encore pour... élever le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Parce que Christ nous a sauvés, il nous a libérés pour les servir. Pour les servir, mes bien-aimés. Quelle grâce que tu sois choisi pour servir le roi des rois. Quelle grâce que tu sois choisi pour servir le Tout-Puissant. Mes bien-aimés, c'est une grâce, c'est une grâce. Ce matin, nous continuons à prier. On a déjà prié individuellement. Maintenant, nous allons prier ensemble, mes bien-aimés. Prions ensemble, que rien ne puisse nous distraire ce matin. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est vivant. Il est vivant. Ah, on a fêté. Oh, vraiment, j'étais vraiment aimé. On a eu une bonne fête, là. Ah oui.
Que ce ne soit pas un feu d'épine. Il faut que ça continue, cette fête-là. Il faut que ce feu-là continue à brûler dans nos cœurs. Ceux qui étaient sur place, ceux qui ont suivi en ligne, et le feu continue à brûler. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Tous ceux qui se mettent maintenant à ta présence, tu dis, hey, toi là, que ce soit la maladie, que ce soit le problème, que ce soit, c'est pas de la pauvreté, que ce soit, tu dis, écoute-moi bien, moi je sais que toi là, tu es déjà enterré, Christ est ressuscité, moi je proclame la victoire. Vous savez, le problème, il faut parler au problème et il fuit. Vous qui aimez bien les témoignages, c'est ça. Je vous dis que le problème, il faut le regarder en face, lui parler au problème. Ne parle pas aux hommes, parle au problème. Dis, écoute-moi bien. Comme tu es là, tu es un ennemi vaincu, vaincu, vaincu. Et moi, je proclame la victoire. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons lire un verset que nous proclamons tous les jours. Mais nous voulons les vivre. Aujourd'hui, nous voulons mettre ces versets en pratique. Un verset que nous aimons bien, que nous proclamons. À la fin de Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a dit quelque chose à ses disciples. Parfois, on proclame seulement la dernière phrase là. Mais il faut que nous proclamons tout le contexte pour bien le comprendre et pour le vivre, mes bien-aimés. C'est le temps de vivre maintenant la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de proclamer comme tu déclares la parole de Dieu quand tu vis dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Voilà le livre de Matthieu 28, 18 à 20, nous dit ceci. Matthieu, le livre de Matthieu 28, 18 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà tout ce que... Voilà, souvent on proclame toujours la fin ici. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souvent, quand on est dans le problème, on dit seulement le B de verset 20. Mais il faut commencer par le verset 18. Christ nous a donné une grande mission, mes bien-aimés. Il nous a donné une grande mission, c'est de les servir. De proclamer que Jésus-Christ est ressuscité, est ressuscité. Et si vous avez bien compris comment la convention, c'est pour témoigner le Seigneur, pas avec la bouche, mais avec ce que nous sommes, ce que nous vivons. Les gens rachetés, délivrés, sanctifiés. Quand vous regardez, beaucoup de disciples sont morts martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi cette parole. Ils ont mis en pratique cette parole. Ils savaient bien que je meure, que je vive, le Seigneur est avec moi. Moi, je dois annoncer la parole de Dieu. Je dois proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Avec ma bouche, mais avec ma vie de tous les jours. Le bien-aimé, la convention était forte. L'homme était bien rempli là. Je me disais, Seigneur, comment on est rempli ici? Si tous on est rempli du Saint-Esprit, mais cet endroit va trembler. Les voisins ici vont sortir pour venir voir ce qui se passe. Quand Jésus-Christ a dit ça aux 120 qui ont reçu le Saint-Esprit, mais quand ils sont sortis pour parler, mais la Bible nous dit qu'il y a 3000 Pierre a parlé un jour, 3000 convertis. 3000 dans un jour. Mais bien aimé, le temps est arrivé pour qu'on ait l'impact dans le monde. Partout, d'abord tu commences dans ta maison. Commence parce que quand nous lisons Actes
1:8, le Seigneur nous a dit, quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, il nous a dit de commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est où? C'est ta maison. Judée est ton quartier. Beaucoup de gens, quand ils commencent à travailler, ils disent, oh, je vais être journaliste international. Je vais parler en anglais pour aller prêcher en Angleterre. Parler français pour aller prêcher en Europe. Mais là où tu es, dans ta maison, est-ce que tu as déjà prêché? Mais bien-aimé, Christ nous a libérés pour le servir. Le servir avec la bouche. Je ne suis pas contre de dire que tu peux témoigner à quelqu'un que Jésus-Christ est vivant. Mais on doit témoigner par nos actes. Parce qu'il a dit, Jésus-Christ nous a recommandé ici d'aller faire toute la nation, les disciples. Hein? On doit leur montrer. Vous savez, les gens n'ont pas besoin de paroles. Les gens, ils ont besoin de démonstrations. Les gens veulent voir. Veulent voir. Et c'est comme ça que tu vois que diable arrive à voir beaucoup de gens. Pourquoi? La vie, la convoitise, la vie. Quand il voit des choses, il voit. J'ai beaucoup aimé quand Bishop a dit à la convention que le dimanche soir, quand on voit les enfants tresser, les garçons tresser les cheveux, les tatouages, c'est parce qu'ils ont vu. Ils ont vu les stars. Maintenant, ils font des choses pour attirer. C'est comme ça que le GSM est devenu quelque chose de très mauvais. Il y a des bonnes choses, certes, mais beaucoup, c'est pour faire tomber, surtout les enfants, mes bien-aimés. À la convention, on a eu beaucoup des enfants. Et j'ai été touchée par le petit garçon que Bishop a appelé devant dimanche soir. Il lui a dit de prêcher. Vous voyez, cet enfant-là, c'est qu'il a, première chose, c'était très fort, hein. Il a dit, tous les jeunes venaient, vous avez vu combien les enfants se sont avancés. Donc, les enfants ont besoin de la délivrance, parce que c'est notre avenir de demain. Nous ici, on a vieilli, mais demain, qui va prêcher la parole? Demain, qui va servir le Seigneur, dont il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Mais qui va faire ce travail-là? Ce sont nos enfants, nos petits-enfants-là. Mais que l'ennemi est en train de prêcher aujourd'hui, que l'ennemi est en train d'enchaîner. Bien-aimé, tout ce que Satan fait maintenant, c'est pour bloquer la jeunesse, pour que la jeunesse n'avance pas. Et vous voyez, ce petit garçon a dit quoi? Vous, les grandes personnes, priez pour ces enfants. Est-ce que nous avons le fardeau de nos enfants-là? Nous avons le fardeau. Bien-aimé, nous allons prier pour que la jeunesse soit libérée. Que nos vies soient libérées, que nos familles soient libérées. Vous savez, si les païens voient que le chrétien vit une vie, une autre vie, on ne les appellera même pas, ils viendront. Et ils viendront parce que les gens veulent voir la différence. Là où il y a la différence. Mais vous savez, le grand problème, c'est quoi? Quand le païen voit que le chrétien vive la vie que les païens vivent dans la maison de chrétien, ils savent que oui, la femme là, il répond à son mari n'importe comment, même quand les gens sont là, ils ne rêvent pas. Vraiment, c'est fatal. Ils savent, ils voient bien que ses parents, ses enfants-là, ils sont impolis. Mais dimanche, ils vont à l'église. Hein? Ils vont à l'église. Non, mais bien-aimé, ça, ce n'est pas témoigner. On nous a dit de témoigner. Il faut que ce que nous vivons témoigne Christ. Témoigne que Jésus-Christ est vivant. Jésus nous a sauvés. Il faut que notre vie montre que nous sommes mis à part. Dieu a dit aux enfants d'Israël, « Je vais vous distinguer. » Est-ce que vraiment on est distingué? Est-ce que nous marchons vraiment dans la distinction? On voit quelque chose
de spécial à nous si nous divorçons comme tout le monde? À ce moment-là, quel témoignage on donne aux chrétiens? Si un homme frappe sa femme, les gens, vraiment, même si en secret tu ne peux pas parce que c'est ton corps, et bien-aimé, commençons à Jérusalem. Commençons à Jérusalem, mes bien-aimés. Je crois que cette parole a été vue, cette convention a été vue par de milliers de gens. Ceux qui étaient sur place, on était nombreux. Ceux qui ont vu par le média, nombreux. Que tous les enseignements que nous avons eus nous aident à vivre comme Christ. Rien n'est impossible. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu règne, il agit, il est puissant, il est puissant. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et il nous a laissé ce pouvoir-là, d'être transformé, d'être libéré, de ne pas seulement porter le nom de Jésus-Christ comme étiquette, non, mais de vivre comme Christ. Oui, c'est facile, mais bien-aimé. Christ nous a donné le Saint-Esprit qui nous donne la victoire, qui nous donne la force de dire non au mal pour le servir. Parce que nous ne pouvons pas servir Christ dans le mal. Comme vraiment aujourd'hui, c'est le monde, on dit aux gens, on proclame, déclare, mais tu déclares, oui, tu déclares la parole de Dieu, mais tu es où? Tu es sous le sang de Jésus-Christ, tu es couvert de sang, tu es abandonné. Parce qu'il y a vraiment beaucoup des enseignements diaboliques maintenant. Oh, c'est temps de la grâce. C'est temps de la grâce. Mais je ne vis pas sous la loi. Mais tu vis sous la loi, mais tu vis sous le péché. Tu es esclave du péché, comme je pas dit clairement. Le temps de la grâce c'est que la peine que je pouvais porter, ce que je pouvais faire pour me libérer, Christ a fait pour moi. Il m'a ouvert la porte, il m'a donné la force de dire non au péché pour que je puisse le servir. Mais bien-aimé, la grâce ce n'est pas pour tu vas dans la boue, oh non, c'est le temps de la grâce, Christ a déjà pardonné. Et puis, tu déclares la parole de Dieu. Non, 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 non. Là, nous vivons dans la confusion. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons d'abord dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. On avait prié, on a gêné, on a demandé la main de Dieu à la convention. Oui, on a vu cette main invisible-là. Ne soyons pas ingrats. Nous allons vraiment prier pour lui dire merci. Pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné, nous allons lui dire merci, mes bien-aimés, de tout cœur. Proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur de nos vies. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Alléluia. Il nous a vraiment fait beaucoup de bien. Prions notre Dieu et disons-lui d'abord merci pour ce week-end de Pâques. Il est avec nous, en nous et pour nous. Disons-lui merci. Alléluia. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, grand et puissant. Nous te disons merci, toi qui écoutes la prière. Seigneur, merci, tu nous as fait du bien. Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu es avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fait du bien, papa. Seigneur, notre roi, alléluia. Tu as pris soin de tes élus, tous les déplacements. Seigneur, notre roi, tu as pris soin de nous, Seigneur, notre roi. Alléluia. Seigneur, ceux qui ont quitté loin. Seigneur, tu nous as protégés. Seigneur, mon roi, tu nous as parlé. Seigneur, mon roi, ta main est puissante. La bonne main était sur la louange, sur la sécurité, l'accueil. Seigneur, mon roi, tu es avec nous. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Papa, nous avons pris ta bonne main et nous voulons la voir encore. Que la gloire te revienne à toi et toi seul. Toi qui écoutes la prière, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, papa. Et nous te disons merci, notre roi. Nous te disons merci, toi qui écoutes la prière. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui fais du bien à ton peuple. Ah, on te demande, Seigneur, on te prie, tendre Père. Alléluia, on t'invoque. Seigneur, tu réponds. Nous t'avons invoqué, Seigneur. Tu nous as répondu. Que la gloire te revienne
toi le Dieu de notre salut, Seigneur notre Dieu, merci d'agir et de bénir. Gloire à toi, le Dieu qui est pour nous, Seigneur notre Dieu, gloire à toi, le Dieu de délivrance, gloire à toi, le roi créateur, gloire à toi, le Dieu de délivrance, gloire et louange à toi, de rester le troisième jour. Papa, nous te disons merci et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, louange et gloire à toi, Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur, alléluia, oh Jésus, merci. Mes bien-aimés, nous allons commencer notre intercession ce matin. Christ est ressuscité et nous a donné la mission. Donné la mission d'aller dire au monde que Jésus-Christ est vivant. Mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les enfants de Dieu, l'ennemi est entré. Quand nous, on est distrait, quand on se réduit entre nous et on se réveille, on dort en paix, ouvrons les yeux parce qu'à côté de nous, il y a des gens qui ont faim et soif. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de la délivrance, mais ils ne savent pas quoi faire. Ça fait des enfants qui sont avancés là. Mais je n'ai pas dit il n'y a pas de prostituées, il n'y a pas de clochards. Ils étaient là. C'est l'enfant que vous voyez là. Il y en a qui sont dans la magie très loin. Mais maintenant, ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Mais bien-aimés, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux parce que même dans nos maisons, nous avons un grand travail à faire. Il y a des clochards spirituels qui sont là. Toi, tu crois que quelqu'un est dans la maison qui dort dehors. Les gens, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont plus en paix, même des grandes personnes. Mais ils étaient là. Nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour que la différence que le Seigneur lui fait. Et nous, les grandes personnes qui ont vu, qui ont compris la résurrection de Christ, nous allons maintenant. Nous avons eu la matière à la convention. Mais bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur libère la jeunesse. Que le Seigneur libère la jeunesse. Que le Saint-Esprit qui tourmente ces enfants-là, tout ce qu'ils ont eu, la parole, la prière qu'ils ont reçue, les tourmente. Qu'ils aillent dans les églises pour qu'ils soient délivrés de l'impudicité, de la débauche. Il y a des petits enfants qui sont impudiques à très haut niveau. Les filles, parfois, il y a des filles qui sortent chez lui avec des tenues, l'autre tenue. Les parents croient que c'est le sac de l'école. Non, c'est les tenues d'aller porter là où elle sera. Mais bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur que Dieu libère. Combien des enfants qui sont dans la sexualité, dans l'homosexuel, qui sont dans les lesbiennes, il y a des noms, on m'a cité des noms que je ne sais même pas retenir. C'est tellement c'est sale. Prions, mes bien-aimés, pour nos enfants. Prions, prions, prions et prions. Que ce ne soit pas une petite prière comme ça, non. On doit intercéder, on doit pleurer pour la jeunesse, récupérer la jeunesse, récupérer. Ça va, si nos enfants sont libérés, si nos maisons sont libérées, les gens viendront, comme la parole a dit dans le livre de Zacharie, que 10 païens viendront toucher, te tenir dans le pan de la robe, j'irai avec toi. Est-ce que je vois que Christ est avec toi? Mais quand nous vivons comme nos enfants vivent, comme les enfants de tout le monde, le maman, la maison, quand tu as un problème, tu as boudé depuis le 1er mars jusqu'au 31 mars, tu boudes toujours. Mais le problème qui ne se termine pas. Non. La parole de Dieu dit, et si tu es en colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Maman nous a parlé de la vie.
à la conversion. Bien aimé, on a eu des choses solides. Vous savez, nous, je vous encore un petit témoignage, vous aimez bien. Nous, quand on était jeunes, toi, une femme, quand tu es en colère, même si on t'a tapé, tu ne peux pas aller préparer. C'est non, tu ne peux pas te préparer avec la colère parce que tu vas donner la nourriture, va faire mal, va tuer les enfants, même ton mari. Il faut que tu... ces gens-là ne priaient pas. Tu as mis au monde. Tu as des problèmes dans le cœur. Tu dois enlever parce que tu ne veux pas allaiter l'enfant avec des problèmes. Il y avait des enfants qui refusaient même de téter. On te dit, mais comme l'enfant refuse, donc c'est que tu as des problèmes dans ton cœur. Les femmes porteurs de vie, on doit tout débarrasser, nous débarrasser vraiment pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur, pour donner la nourriture sainte. Pour donner ce qui est agréable, ce qui donne la vie, mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons cette responsabilité-là de témoigner que Jésus-Christ est ressuscité, réellement ressuscité. Et après cette fête, que ma maison soit réellement libre, ressuscité. L'ennemi viendra toujours toquer et je vais lui dire, écoute-moi bien, toi là, tu es déjà vaincu. Tu n'as plus la place ici. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Prions, mes bien-aimés. Prions d'abord pour nos jeunes gens qui se sont avancés ces jours-là. Même ceux qui ont vu c'est le média, même ceux qui étaient restés dans leur maison, que le Seigneur libère la jeunesse au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Tendre Père, nous sommes devant ton trône de grâce, ô roi. Seigneur, tu vois combien l'ennemi détruit maintenant la jeunesse. Or que toi, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Père, nous venons devant ton trône de grâce. Tu vois ce petit garçon, il n'a pas dit autre chose. Il connaît, il avait le fardeau de la jeunesse. Il a dit aux parents, priez pour cette jeunesse. Seigneur, cette jeunesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions, Père, de notre pour que la jeunesse soit sauvée, que la jeunesse soit libérée, que nos enfants qui sont, Seigneur notre roi, dans la prostitution soient libérés, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont même initiés, beaucoup sont initiés à la magie. Seigneur, tu es le Dieu qui libère. Seigneur mon roi, tu es le Dieu qui libère. Maintenant, Satan vient avec des gâteaux bien garnis au-dessus, mais à l'intérieur, on a caché quelque chose. Combien de enfants on leur a donné la sorcellerie par image. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, qui sauve. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui délivre, qui sauve. Papa, ce matin, nous prions, Seigneur, pour la délivrance, la libération totale. Seigneur, touche, Seigneur mon roi, tous les jeunes, touche même les petits-enfants. Seigneur, proclame la victoire, proclame la délivrance. Tu es le Dieu qui délivre, qui sauve, pas. Prions pour tous les enfants, tous les jeunes qui se sont concourus. Ils ont faim, soif, mais ils ne savent pas comment faire. Alléluia. Seigneur, dans la famille, dans la maison, Seigneur, mon roi, réveille le parent, que le parent, Seigneur, se réveille, parle avec les enfants. Alléluia. Donne, Seigneur, le conseil, prie avec les enfants, qu'il y ait la prière dans la famille, dans la maison. Alléluia. Que les enfants abandonnent le mal. C'est l'avenir de demain. Seigneur, nous prions, papa, Seigneur, notre roi, pour même tous les petits-enfants, Seigneur, qui sont à la même aide. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, qui sauve. Dieu de délivrance agit. Dieu de délivrance agit, Dieu de délivrance, alléluia, Dieu de délivrance, Dieu de délivrance, Dieu de délivrance, Dieu de délivrance, alléluia, Dieu de délivrance, alléluia, c'est toi mon créateur, ma victoire. Seigneur, nous devons prier, papa, pour que les parents se réveillent, Seigneur, que les grands-parents se réveillent, Seigneur, nous devons, pour tendre Père, plaider, Seigneur, prier pour libérer les enfants. Ils ont besoin, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment faire. Seigneur notre roi, alléluia, nous voulons tendre Père, alléluia, prendre soin, Seigneur notre roi, des enfants, ne pas abandonner les enfants seuls à cause du travail, à cause de l'argent, envoie 3-4 travail, Seigneur mon Dieu, mon roi, et les enfants sont là, ils se débrouillent avec la télé, avec les GSM. Non, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, Seigneur, tu es venu pour nous libérer, tu es venu, Seigneur, pour nous libérer, tu es venu, Seigneur, pour libérer, Seigneur mon roi, si les enfants sont avancés, c'est parce qu'ils ont besoin, ils ont faim, soif, mais ils ne savent pas comment faire.
Oh Seigneur mon roi, alléluia. Parle Seigneur mon Dieu mon roi, parle tendre Père, parle au roi, même aux petits enfants, même Seigneur notre Dieu, tu as parlé à Samuel, il était encore enfant, parle mon Seigneur, maman tout petit, parle mon Seigneur mon roi, alléluia, et que chaque intelligence s'ouvre, alléluia, que les enfants puissent te connaître, marche avec toi, alléluia, c'est le temps de Dieu Seigneur, ton retour est proche, ton retour est proche, ton retour est proche, alléluia. Ton retour est proche. Oh mon roi, mon Seigneur, alléluia. Nous remettons tous les enfants entre tes saintes mains. Nous remettons tous les jeunes entre tes saintes mains. Seigneur, notre roi, nous invoquons le sang de Jésus sur tous les enfants. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de la croix, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton sang parle, que le sang guérit et libère. Que le sang de Jésus-Christ fasse Satan, le diable, le sang de Christ est contre toi. Lâche, lâche la jeunesse, lâche nos enfants, lâche, lâche, lâche. Seigneur, nous comptons sur toi. Alléluia, le Dieu fidèle et puissant, nous comptons sur toi. Ô Jésus-Christ, nous espérons, Seigneur, tu es le roi qui agit, le Dieu des grandes choses. Seigneur, nous voulons avoir des grands témoignages. Alléluia, entendre que nos enfants sont libérés, nos petits-enfants sont libérés, libres, libres, Seigneur, de tout ce qui court maintenant. Libre, mon Seigneur, mon roi. Alléluia, Seigneur, notre roi, de toute puissance du mal. Alléluia, qui attrape facilement, Seigneur, notre roi. Alléluia, toute puissance de la sorcellerie, de la magie. Alléluia, de l'ambition, de la débauche, de folle. Seigneur, mon roi. Alléluia, Seigneur, libère. Alléluia, libère l'amour de l'argent. Seigneur, notre Dieu, libère. Dieu le fidèle et puissant. Papa, nous comptons sur toi. Nous espérons en toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, le Seigneur nous a donné la mission. Il nous a donné une grande mission. Mes bien-aimés, qu'on ne dorme pas. Les parents, qu'on ne dorme pas. Nous avons prié pour les enfants. Les parents, quel exemple nous donnons aux enfants. Ça veut dire, vous avez dit que c'est qu'on voit, qu'est-ce que les enfants vivent à la maison, qu'est-ce que les enfants voient à la maison. Nous avons eu des enseignements, mais bien aimé, je n'ai pas le temps de répéter tout ce que nous avons eu à la convention, tout ce qui est prêché, mais bien aimé, dans nos maisons. Avant que j'aille prêcher dehors, qu'est-ce que je prêche? Moi, papa, qu'est-ce que je prêche à ma femme? Qu'est-ce que je prêche à mes enfants? Parce que je vous ai dit, non? Les enfants, ils suivent d'abord, ils têtent ce qui est dans la maison. Maman, qu'est-ce que je donne? Quelle nourriture je donne à ma maison? Est-ce que je fais une bonne nourriture avec un bon cœur? Quelle nourriture je donne? Papa, quelle parole que je donne? Quelle instruction je donne dans ma maison? Mais bien-aimé, la délivrance commence dans la maison. Dans la maison. Dans la maison, dans le livre des Actes, je vous ai dit que Christ nous a dit de commencer où? À Jérusalem. Acte 1, 8, il a dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité du monde. Mes témoins, quel témoignage, moi, parent, j'ai. Quel témoignage, moi, papa, j'ai. Nous voulons que nos enfants changent. C'est à nous d'abord de changer, mes bien-aimés. C'est à nous de témoigner. Parce que le vrai témoignage, ça commence où? Dans ma maison, à Jérusalem, à la maison. À la maison. Le changement, le vrai changement, à la maison. Mais bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour le changement. Pour le couple. Mais bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Le moi-là, l'égoïsme, de chercher que les choses soient seulement de mon côté. Beaucoup de problèmes maintenant dans le couple, et c'est l'argent, c'est rien. Jésus revient, ça va rester pour le pays. Ça va rester pour le païen. Beaucoup, mes enfants, mes filles,
Laissez tomber des enseignements diaboliques là. Oh non, tu dois être sage, hein. Tu sais, si aujourd'hui là, quand tu vis avec déjà dans ta tête que si vous séparez, mais tu appelles la divorce. Tu appelles ça? Oh non, tu dois construire même ta maison au pays, tu dois voir un peu de côté. Non, ça c'est des mensonges, ça sont des enseignements diaboliques. Soyez unis dans le couple, soyez unis. J'ai rencontré beaucoup de couples à la convention. Oh maman, on prie avec vous ce matin, vous priez avec nous ce matin. Mais écoutez bien, soyez unis, soyez un dans le Seigneur. Soyez un, le reste là, Dieu va vous donner. Ne crois pas que avoir une maison ou bien l'argent que tu as mis de côté pour toi seul, que tu as vaincu, rien du tout. Rien du tout. Au contraire, tu as creusé ta tombe. Tu as donné l'accès à l'ennemi pour bien te combattre. Tu sais, tu peux avoir des millions. Il y a des païens ont plus d'argent que nous, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Tu peux épargner comme tu veux là, mais si tu le fais dans le mal, tu n'as pas Christ, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien fait. Mais bien aimé, prions. Prions pour le couple. Que la parole de Dieu commence dans la maison, à Jérusalem. Nous voulons être agréables pour servir le Seigneur. Christ nous a sauvés pour le servir. Si chez moi, je n'ai pas un bon témoignage, si chez moi, je n'ai pas bien construit, je ne saurais pas amener la parole de Dieu dehors. Non, c'est du mensonge. Du mensonge, parce que l'homme amène que ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ah, la veuve, son mari était mort. Il est resté dans le livre de c'est deux rois. Il est mort. Il a laissé des dettes. Je crois que c'est deux rois. Oui, je sais pas. Je ne maîtrise pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais de tel point que le mari est mort. Il a laissé cette femme-là, seule avec les enfants. Quand il est parti voir le serviteur de Dieu pour lui dire, voilà, moi j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as à la maison? Ah, un vase d'huile. Et elle avait quand même quelque chose. Elle avait quelque chose. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de bon chez toi? Que Dieu peut multiplier, faire un miracle avec ce que tu as là. Mais bien-aimés, nous allons multiplier la parole que nous avons eu à la convention dans le couple, dans la maison, pour que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau, que nous puissions garder ce feu-là, que nous puissions vraiment garder tout ce que nous avons eu pour que nous... La parole de Dieu soit répandue pour que nous soyons vraiment libérés de bons et fidèles serviteurs et servantes du Seigneur. Prions. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous prions, papa, pour Seigneur notre Dieu, nos vies, nos maisons, le couple, Seigneur notre roi, Jésus, pour que les enfants soient sauvés, soient libérés. Il faut que dans la maison, quelque chose de bon sorte. Seigneur, les enfants ne peuvent pas être libérés dehors, quand dans la maison, ils vivent de mauvaises choses. Seigneur, notre roi, nous prions, papa, pour le couple, mon Seigneur, mon roi. Alléluia, c'est la source. Seigneur, que l'eau qui sort, la source. Seigneur, que la nourriture de maman mange, les enfants mangent. Que le mamelle, que les enfants suivent, soient des choses saintes. Seigneur, mon roi, que ta parole libère. N'est-ce pas, tu nous as dit dans ta parole, que tu as envoyé ta parole et que ta parole libère. Que cette parole, Seigneur, de puissante parole que nous avons eue, libère ton peuple pour qu'il puisse te servir, libère mon Seigneur, mon roi, libère la famille, libère le couple, libère la famille, Seigneur mon roi, pour que le païen puisse enfiler. Non, moi je vais devenir comme ce couple-là, je vais vivre comme cette personne-là, je vais vivre comme ces enfants-là, Seigneur, que les gens nous envient, Seigneur, que ta présence, Seigneur notre roi, Jésus soit dans le couple, dans la maison, même Seigneur, là où il y a une femme seule qui élève les enfants seuls, Seigneur mon roi, que la gloire de Dieu descende, Seigneur, la transformation, Seigneur mon roi, dans la maison, la transformation, que nous puissions nous concentrer, Seigneur notre roi, alléluia, sur ce que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, dans la maison. Si nous ne maîtrisons pas ça, nous ne savons pas maîtriser ce qui est dehors. Mon Dieu, mon roi, aide-nous, transforme-nous, ta parole libère, ta parole.
parole libère. Tu nous as sanctifiés par l'eau de la parole. Seigneur notre roi, nous refusons, Seigneur, d'être des auditeurs oubliés. Seigneur, nous voulons mettre ta parole en pratique. Nous voulons être vraiment des porteurs, porteuses de vie, les femmes porteuses de vie, même les hommes, Seigneur, tu nous as donné, nous sommes enceintes de la parole, Seigneur notre roi, que cette parole délivre et sauve, que cette parole délivre et sauve, que cette parole, Seigneur notre roi, alléluia, délivre et sauve, alléluia, Seigneur, proclamons la vie. Proclamons que la vie Zoé, Seigneur notre Dieu, sort dans nos maisons, Seigneur, pour libérer nos voisins, libérer nos villes, Seigneur, que partout nous passons, on voit, non, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est une femme de Dieu, Seigneur, aide-nous, alléluia, aide-nous, Seigneur, que nos familles parlent de toi, alléluia, que nos familles témoignent de toi, que les familles soient distinguées, Seigneur, tu avais dit aux enfants d'Israël, alléluia, je vais vous distinguer, distingue-nous, Seigneur, distingue-nous, mon Dieu, mon roi, ouvre les yeux d'intelligence, Papa, Yesu, nous avons besoin de la libération, de la délivrance, la libération totale, ton retour est proche, mon Dieu, mon roi, tout ce que diable nous montre, alléluia, ce sont des choses viles, c'est ce qui est, ça va rester, on n'emportera rien, Seigneur, aide-nous à chercher d'abord la justice et le royaume de Dieu, Seigneur notre roi, le reste tu nous le donneras par-dessus. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur, alléluia, à chercher des choses d'en haut, là où tu es assis à la droite de Dieu, alléluia, Seigneur, tu intercèdes pour nous. Ce n'est pas pour rien que tu nous as envoyé, Seigneur, toutes ces paroles, tu nous as envoyé tes serviteurs nous parler, alléluia, Seigneur notre roi, libère-nous Seigneur de l'incrédulité, libère-nous Seigneur de la souffrance d'unité spirituelle, nous ne sommes pas allés à Charleroi faire le Seigneur notre Dieu, le tourisme, on est parti pour chercher ta face, même ce qui était sur place, mon Dieu, mon roi, Seigneur notre roi, que chacun de nous, allez, n'oublie pas, s'interpelle, que toutes les semences que tu nous as données bouillonnent dans le cœur, Seigneur, que nous puissions mettre toutes ces paroles en pratique, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que le monde mange le fruit de toutes les paroles que nous avons eues, Seigneur notre roi, alléluia, parce que le monde n'a pas besoin de paroles inutiles. Nous refusons d'être des arbres qui ont de feuilles, mais il n'y a pas de fruits à l'intérieur. Alléluia, Seigneur, nous voulons que le fruit naisse, Seigneur, le fruit, nous voulons être des arbres plantés au bord de l'eau qui donnent le fruit à chaque saison. Alléluia, nous voulons être de vrais témoins, des témoins, Seigneur mon roi, et nous voulons être, Seigneur notre roi, des exemples vivants. Alléluia. Pour que les gens disent oui, je vois que ton Dieu est vivant, je vais venir avec toi parce que ton Dieu est fidèle et Dieu, il est bon, il agit au-delà. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu souffle, guéris et libère. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Merci Jésus-Christ, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de notre salut. Merci Seigneur pour tes offres et tes bienfaits. Merci le Dieu fidèle et puissant. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier. Le Seigneur a dit que je ne vous laisserai jamais seul. Je vous envoie le consolateur. Prions mes bien-aimés. Pour que le Saint-Esprit soit notre partenaire. Vous savez, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous allons écouter de bonnes paroles là. Comme nous avons écouté là, ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire. Satan est méchant. J'ai compris dans ce monde que s'il y a quelqu'un têtu, c'est Satan. Vraiment, s'il y a quelqu'un têtu qui sait persévérer, par Satan, c'est comme les mouches. Tu le chasses, à toi il vient. Tu chasses, il revient. Tu peux le chasser 10 fois, 1000 fois par jour, il revient. Mais quelque chose, il y a quelqu'un qui a vaincu Satan. Et Jésus-Christ a compris que
C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en aille, je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force de résister au diable. Ah oui, là il va fuir. Il va fuir. Satan ne peut pas fuir la chair. Hein. Je peux multiplier de bonnes paroles comme je parle là. Et si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je sors d'ici. Ce que je parle ici, ce que je condamne ici, je serai la première à le faire. Je serai la première à parler mal, à jurer les gens, à murmurer, à dire des paroles bizarres, même d'envier ceux qui sont dans le fétiche. Mais bien aimé, le Seigneur nous a donné une force surnaturelle, c'est le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit ce matin. Esprit de Dieu, aime. Saint-Esprit, aide-moi à garder le bon dépôt, à mettre en pratique toutes les bonnes paroles que j'ai reçues. C'est le secret, mes bien-aimés. C'est le secret pour tenir ferme. Sois. Que le Saint-Esprit soit ton ami fidèle. La Bible nous dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Certes, tu peux brancher par la parole, c'est pas, tu peux t'énerver, mais après, reviens vite. Et Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Cette parole méchante qui est sortie de ma bouche, non, je ne veux plus. Sois le maître, sois le centre dans ma vie, sois le centre dans ma maison, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire en toutes choses. Qu'il soit notre ami fidèle, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Invoquons-le, marchons avec le Saint-Esprit. Pas quelque chose que tu as, ah, Saint-Esprit, viens remplir. Non, que tu aies un désir suprême, invoque-le. Qu'il te donne la maîtrise de soi. Quand tu vois quelque chose comme ça, tu vois, tu dis ça. Parce qu'il y a d'autres choses que le diable vraiment habille bien là, il met devant nous. Et si tu n'as pas le discernement, mais tu vas tomber dessus. Tu vas tomber dessus. Tu vas tomber dessus. Et tu vas te trouver déjà dans la boue. Tu ne voulais pas, mais est-ce que tu as été trompé? Mais quand le Saint-Esprit est là, il va te dire, non, ma fille, mon fils, n'avance pas. C'est du mensonge. C'est un père de mensonge. Invoquons le Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour que des paroles qui sortent dans nos bouches soient des paroles de feu, des paroles qui touchent et qui libèrent. Invoquons le Saint-Esprit, notre ami fidèle, qu'il marche avec nous. Prions, alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Mais voici, seul je ne saurai pas. Esprit de délivrance, esprit de sainteté, viens, viens, coule dans ma vie, dans ma maison. Saint-Esprit, sois le maître, sois le centre. Saint-Esprit, mets en moi le vouloir le faire. Alléluia, Esprit de Dieu, viens, domine. Alléluia, Saint-Esprit, viens, domine. Alléluia, viens, domine. Élève le nom de Jésus. Esprit de délivrance, élève le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Élève le nom de Jésus dans mon église. Esprit Saint, coulons ton torrent. Esprit de miracle, de prodige, coulons torrent. Comptons sur toi ce matin. Nous comptons sur toi, Esprit Saint. Comptons sur toi. Souffle, souffle de vie. Ouvre les intelligences. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Nous voulons être de porteurs, de porteuses de vie. Nous voulons être de porteuses de vie dans ce monde où l'ennemi veut tout détruire. Alléluia. Mais il y a un reste. Nous sommes là, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. À sortir de paroles qui calme les esprits, de paroles qui donnent la solution au problème, de paroles de vie. Alléluia. Esprit Saint, souffle, Saint-Esprit, souffle, élève le nom de Jésus-Christ, souffle, esprit de paix, esprit de miracle, de prodige, viens, règne, nous avons besoin de toi, souffle de famille,
familles, souffle dans nos familles, souffle dans nos églises, souffle, souffle dans nos pays, souffle, alléluia, dans notre entourage, souffle, conduis-nous. Continuons, mets des paroles, de bonnes paroles dans nos vies. Alléluia, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Continue encore dans cette journée. Remplis nos vies. Saint-Esprit de Dieu, continue-nous. Alléluia, que ceux qui sont malades, tu es l'Esprit qui guérit. Ceux qui ont des problèmes, tu es l'Esprit de solution. Dans ce mois d'avril que nous commençons, alléluia, nous voulons marcher avec toi. Alléluia, tu es notre ami fidèle. Tu es notre ami fidèle. Tu es notre ami fidèle, donne-nous les deux coups du mal pour que nous puissions servir le Seigneur, que nous puissions offrir à notre Dieu le meilleur. Alléluia. Que ta lumière luise. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous. Baptise par rose, nous. Esprit consolateur. Merci. Merci d'être avec nous. À nous. Alléluia pour nous. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci le Tout-Puissant, le Grand Vainqueur. Et disons merci. Alléluia. Et bien-aimés, nous avons demandé le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que nous avons des cas de deuil au milieu de nous. Oui, nous sommes des passants sur la terre. Nous ne sommes pas. Le Seigneur nous a dit, nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'après, nous retournons auprès du Père. Nous avons nos bien-aimés qui sont endeuillés. Notre frère Franck, le président national des hommes, a perdu sa maman dimanche après-midi. Nous allons demander au Saint-Esprit de consoler la famille. Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit console, que le deuil de notre maman, qui aimait beaucoup le Seigneur, vraiment console, parce que la séparation, c'est toujours quelque chose de difficile. Et nous continuons aussi à prier pour que vraiment le Saint-Esprit console notre frère Papy à Londres, qui a perdu aussi sa maman. Nous prions pour que la grâce, la faveur de Dieu soit sur nos bien-aimés. Il y avait aussi maman Nathalie qui a perdu sa maman. Esprit de consolation. Que le Saint-Esprit console et que tout se passe dans la paix. Oui, Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous pleurons avec espérance. Christ nous a dit qu'il y a de place dans sa maison, qu'il a préparé pour ses élus, il reviendra nous prendre. Ce sont nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire. Et nous prions pour que la famille qui est restée soit fortifiée et que le deuil se passe bien. Prions mes bien-aimés. Alléluia. Mon roi, mon maître, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous remettons nos bien-aimés qui ont perdu leurs êtres chers entre tes saintes mains. Seigneur, nous sommes le corps de Christ. Nous prions pour notre frère Franck qui a perdu sa maman. Seigneur, notre roi, dimanche, Seigneur, mon roi, que tu puisses consoler, que tu puisses consoler, Seigneur, notre Dieu, la famille, les enfants, les petits-enfants, que tu puisses consoler, Seigneur, notre roi, que tu donnes, papa, Seigneur, notre Dieu, la paix dans le cœur, que tu donnes la paix des arrière-petits-enfants, Seigneur, notre roi, que tu consoles notre frère, oui, console mon Dieu, mon roi, console notre Seigneur, console Seigneur, continue, papa, à faire le travail dans le cœur, Esprit de Dieu, console encore notre frère, papy, Seigneur, notre Dieu, à Londres, avec sa famille, Seigneur, console, Dieu de consolation. Console maman Nathalie, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, nous comptons sur toi, Dieu de victoire, nous prions, Père, que tout se passe bien, que tu puisses diriger, conduire toutes choses, papa, Seigneur, notre roi, Seigneur, que tu gardes tes enfants dans cette période de deuil, Seigneur, protège-le, prends soin, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de victoire, tu es le roi créateur, tout-puissant, le grand vainqueur, Dieu de notre salut, nous comptons sur toi. Papa, nous espérons en toi, au nom de Jésus-Christ, Dieu fidèle et puissant. Merci Seigneur pour tes bontés et ton amour. Gloire et louange à toi, le Dieu qui nous aime, qui marche avec nous,
toi qui nous abandonne le chemin, Seigneur notre roi. Tu es avec nous. Merci, Seigneur notre roi, pour ta grâce, ta faveur. Louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Alléluia. Nous allons passer en offrande. Nous allons offrir à notre Dieu ce qu'il nous a donné, ce que nous avons à cœur à donner. Nous donnons parce que tout nous vient de lui. Nous vient de lui, notre bien-aimé. Et celui qui donne, donne avec un bon cœur. Alléluia. Que Dieu fidèle puisse agir dans la vie de tous ceux qui ont à cœur comment d'offrir à Dieu quelque chose de ce matin. Oui, il y a le numéro de compte vraiment que chacun de nous puisse donner avec joie. Nous donnons, nous sémons. On aime bien l'argent, mais l'argent, il faut s'aimer. Quand tu sèmes, tu récoltes. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, nous sémons. Nous devons aussi s'aimer l'argent. Nous récoltons l'argent. Quand on sème, on récolte. Il ne faut pas chercher à récolter ce que tu n'as pas semé. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire de mauvaises choses, dire les mauvaises choses. Non, c'est une semence. Tu sèmes le péché, tu vas le récolter. Et quand tu récoltes pas ce que tu as semé. Tu récoltes des choses qui se sont multipliées. Parce que la semence, tu sèmes une graine, après, se multiplie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et mes bien-aimés, nous allons prier pour terminer notre prière de ce matin. Nous prions pour que nous puissions vraiment nous consacrer à notre Dieu. Consacrons-nous au Seigneur, mes bien-aimés. Consacrons-nous à Jésus. C'est le bon maître. Il est celui qui nous amène au bon port. Il est celui qui nous soutient. C'est l'ami fidèle que nous pouvons servir avec joie. Avec joie et simplicité du cœur. Prions. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci pour la grâce et la faveur. Dieu puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, nous sommes là ce matin, nous consacrons à toi. Nous remettons entre tes saintes mains, mon Créateur. C'est toi le Dieu qui prend soin. C'est toi qui m'as à nous le vouloir le faire. C'est toi qui nous as libérés pour te servir. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné une grande mission. Seigneur notre Roi, c'est de former les disciples. Seigneur, nous commençons à former les disciples à nos maisons. Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, sortis dehors jusqu'à l'extrémité du monde. Seigneur, que c'est la mission que tu nous as donnée, que nous puissions l'accomplir. Pour que les jours où tu viens nous chercher, que tu puisses nous dire, bon et fidèle servante, serviteur, servante. Mon Dieu, mon roi, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Papa. Seigneur, merci de nous conduire dans la profondeur. Merci, mon Seigneur, mon roi, de nous donner la force. Saint-Esprit de Dieu, donne la force d'aller de l'avant. Donne la force d'aller de l'avant. Alléluia. Et afin que la fois prochaine, que nous puissions dire que notre Dieu a fait pour nous des grandes choses. Seigneur, dirige ton peuple dans la profondeur. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi. Ouais-nous, Seigneur, de ton oui le prêche. Seigneur, la persévérance, Seigneur notre roi, la détermination de mettre ta parole en pratique. Seigneur notre Dieu, merci, ô éternel notre roi, de bénir cette journée, de bénir ce mois d'avril. Seigneur, que nous donnes tout ce que tu as à nous donner, Seigneur mon roi, les enfants, Seigneur, qui vont aller à l'école, Seigneur, que tu puisses le bénir, leur donner l'intelligence et la sagesse, ceux qui vont au travail, que tu les accompagnes, Seigneur, que nous puissions témoigner, alléluia, Seigneur, que nous puissions être témoins, même à l'école, dans le lieu de travail, Seigneur, partout où nous sommes, que nous puissions témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Mon Dieu, mon roi, merci d'être avec nous en nous pour nous, comme tu as dit, que tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours, sois avec nous aujourd'hui, Seigneur, nous comptons sur toi, nous cachons dans la clé de ta main, et je m'élève contre le plan de l'ennemi, toute œuvre des ténèbres, toutes les barrières, toutes les réunions secrètes, Seigneur, tenues dans le monde des ténèbres, cette nuit, pour faire du mal à tes enfants, nous les détruisons, nous coupons la tête du serpent, nous détruisons, nous déclarons nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, toute œuvre satanique, diabolique, Jésus-Christ est Seigneur.
tous les accidents, tout le plan de l'ennemi, nous le paralysons, que la journée soit meilleure. Seigneur mon roi, bénis ton Dieu Père, les offrandes amenées dans ta maison, tu es celui qui multiplie, tu es celui qui donne la semence aux semeurs. Merci de bénir tous les enfants qui ont amené quelque chose dans ta présence ce matin dans ta maison. Jésus-Christ, merci, alléluia, de prendre soin de nous, Seigneur notre roi. Remettons la journée de mardi entre tes saintes mains, qui est pour nous lécher les vies et joie, dans une journée de jeûne et prière. Fortifie chacun, Seigneur mon roi, et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, bientôt nous retrouver dans ta maison pour te louer, t'adorer, pour te servir, Seigneur notre Dieu, au-delà de ce que nous avons demandé et ce que nous espérons. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur mon roi. Nous bénissons ton serviteur, Bishop Jean, là où il est, avec sa famille. Seigneur, merci de leur faire du bien, de le garder. Bénissons tous nos pasteurs, tous ceux qui nous ont parlé de toi, alléluia, qui sont venus de loin et de près. Seigneur, que tu puisses le bénir aussi, leur faire du bien. Seigneur, notre roi, merci, mon Dieu, mon roi, de le restaurer, de le fortifier. Seigneur, tu es pour nous un Dieu fidèle et puissant. Jésus, merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire pour ton Église. Seigneur, que ton Église soit sainte, que ton Église soit unie, que ton Église soit bénie, que tout ce qui divisait, tout ce qui était comme, Seigneur notre roi, comme de ce qui pour détruire l'Église, ne pas grandir, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tous ces ambitions soient ôtées et que ton Église aille de l'avant. Seigneur, merci de nous faire du bien. Louange et gloire à toi. Et disons merci, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, on est à la fin. Tous les Liégeois, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre jeûne et prière. Nous allons nous retrouver à l'église pour continuer à invoquer le Seigneur pour garder tous les bénéfices que le Seigneur nous a donnés à la Convention. Venez nombreux pour prier aujourd'hui, mardi. Merci. Bonne journée. Je vous aime. Au revoir.